Sister Tadalgir. Tadalgir, ah ouais. En cinquième latin, c'était en 48. Mais c'était au bon élève quand même. Mais moi, il y avait 78% quand j'ai abandonné l'école. Ce n'est assez pour votre papa. Ah, il fallait les 80. Ah oui. Ah oui. Alors, j'étais un petit en pas de l'armée et je disais le couhen. Alors, mes pères discutaient à vos mères. Si on en est les 80, il y a le repris de l'école, ça se trouve pubé, moumère, une veille. D'une estune est fait pour cela. Ah. Hein? Alors, le duc a rapporté un bulletin. Hein? 72%, c'est ce fini. 78. Dieu l'a fait exprès. D'une nerveur plus. Pour escouter des sacrifices. Alors, il me dit, ah, tu me fais arrêter. Mais il va faire arrêter. Ça finit comme cela. Ah, ouais. Hein? Alors. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez s'attaqué à Ouvridon. Ah, le Dieu même. Le Dieu même. Ah, oui, le Dieu même. On m'a amené le tête bure, on jette du café manié au bouquet de pain, et puis aller au tête de mousse vers l'atelier. Votre papa était tchourli déjà aussi, lui. S'il vous plaît. Votre papa était déjà tchourli, lui. Ah, oui. Oui, c'est pire à vous, ce grand pire à vous. C'est une pire à fait. Donc, vous avez attaqué tout de suite vers le Mesti. Oui. C'est sous-là que. À l'âge de 4-3 ans, Dieu n'a venu faire toutes sortes d'affaires, mais Dieu nous a fait toute la théorie. Ah oui. Parce que j'étais à l'atelier, à la place d'aller jouer avec les camarades, ben j'étais à l'atelier. À vos papa. À vos pères, et alors, pourquoi ceci et pourquoi cela? Et veillez qu'il m'intéressait en Mesti. Je lis deux sous là. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'a jamais perdu patience. Il m'a tout fait expliquer tous les aléas et tout le bazar de Mesti. Les petits trucs de Mesti, quoi. Ah oui, et tous les petits trucs. Ouais, parce que les Charlie, c'est un Mesti à part. Ah. Ce n'en est que Moscrénie qui fait une finesse. Oskreni va ouvrir à vous au plat, Charlie n'ouvre jamais. C'est tout sur mes heures. Ah oui, c'est tout d'après ce que le client cumote et à quoi que ça chef. Si on fait au cliché pour tirer à la scène, tu n'en es au cliché comme un bras bas pour tirer des gros pires. Hein? C'est un autre modèle. Hein? Ah ben tout cela, aux deux à terre. Hein? Les petits trucs. Et il faut se servir de l'imagination aussi, parce qu'ils bon. Ah ben oui, ah oui. Hein. Et les manipulations de les usteils, du veux bien que ça va et ça. Quand on a des gars de 50 ans et plus, qui devaient prêter au côté à deux mains et mettre au ré à foum. Ah ouais. Ah ben là, c'est tout tué. Hein. Déjà pour arriver à faire le premier ré, il faut des heures et des heures et des heures. Et donc, bon, quand vous avez attaqué à Ouvry, il fallait. Oui, il y a cet attaqué à Ouvry. Il fallait tout de rue, là. Il fallait rentrer dedans. Ah oui. On a arrêté, il va 11 heures à la nuit. Ah, 11 heures à la nuit? Ah oui. Et tous attaqués à qui une heure, c'est. Ah ben. J'ai attaqué, il va 5 heures et court, 5 heures et demie au matin. Ah, ben, oui, oui. J'allais mout à vous mire, parce que vous avez 6 vaches. Il fallait aller moutre les vaches. Ouais. Ah ben, j'allais moutre les vaches à vos mères. Mais pire, n'allait jamais. Hein. En année. Ça venait moutre, lui. Ah, hein. Ah ouais, ça venait se débiner, hein, pour te plaire de l'affaire. Ouais. À 7 heures, je devais avoir déjeuner et à l'atelier. À 7 heures, pile. Né 7 heures, on. Hein. Vous gris, c'était votre papa. Ouais. Ah oui. Et Fnif me trouvait El Kouhen. Et qui n'en veulent pas. Et j'en veux que des autres ouvriers, tu vas pas des valeurs. On est né. On est stuck nos deux. Oui. Donc voilà, 7 heures en avant. Ah oui, 7 heures en avant. Hein. Alors, ils savaient bien que tu savais raboter, que tu savais soyer et tout cela. Parce que tu es au dîner, il faut se prendre. Hein. Ouais. Alors, mais il y a ceux-là, il y a ta qui va m'emmerder pour finir. Hein.
Alors, du film de Joe était toute sorte d'affaires, hein, pour me frire, que tu peux véhiculer, qu'il n'en veut nous lire. Ah, oh, mais si, hein, oh, il ne se tenait vraiment doué pour cela. Hein. Il savait bien qu'il savait me servir de la machine. Hein. Mais bah ouais. C'est anecdotique, mais il est frais du tout. Hein. Alors, en dîner, ben, tu as le vrai qu'au fief. Ah ben, au manie va 2 heures ou bien à 1 heure. Hein. S'il n'avait au client que ceux-là, hein, ah ben, on ne pouvait pas les négocier et on devait flayer le client libre. Hein. Ah bon, Et alors. alors, quand il avait une idée de ne râler, le client ne râlait, il fait s'occuper si on avait manié ou Il non. a vu le temps, lui. Alors, on allait manier, mais on manier, il fallait dîner freux. Hein? Ah oui, c'est une question de réchauffer, hein? Comme si c'était. Hein? Mais qu'est-ce que c'est la cause de tout cela? Hein? Ah ouais, d'accord. Alors, ça a duré comme cela, jusqu'à temps qu'aux réchauffés, qui tombent sur le foot, à 50 mètres de manette. Ah Hein? ouais. Alors, l'atelier avait suspendu, il n'avait que le truc, il n'avait une allée et les finesses. Mais le mur est-il mené là? Alors, le cours du logis est Ça fracassé. fracassé, Hein? gars, ouais. Alors, c'est les Américains qui offrent nous et me décèpent 40 couettes. Alors, Fossi Van Rundstedt offre nous déblayer les ruines. Où tu as installé le couhen, là. Ah. Ah oui, il n'a jamais vu un cuisinier si grosse que cela. On a fait du 5-6 mètres de l'eau, hein. On veut nous mettre une grosse buse, c'est qu'il a passé flé pire, hein. Et fille à Manila. Pas l'eau. Le réfectoire, c'est l'atelier d'une pire. Ouais. On est obligé d'en aller. Il n'en plus à votre papa, donc, en ce moment-là. Ah ben, sur le terrain au dîner, hein? C'est un officier américain qui nous fait aussi fou de l'atelier. On devait mettre des tresses à vous des pèses du bois dessus. Pour Il vous être. venait mesurer à vos horules le superficie, parce qu'il n'avait tant d'hommes qui devaient venir manier. Hein? Mais c'est tous officiers et les sous-officiers qui venaient manier Ah, l'atelier. c'est là des sauts d'or, là. Ah oui, c'est un des sourds. Alors, on a tenu au pourcès, Ah ouais, ah ouais. parce qu'il fallait veiller ce qui tapait, c'est honteux, honteux. Hein. Alors, on revenait vers 1h30, 2 heures, et puis alors, on allait jusqu'à 11 heures, quoi. Ouais. Et alors, il fit sous la peau, pour sortir de Mnohi, hein. Il me dit, t'auras le blague, parce que. Hein, tu avances tout battu et tout cela. Ah ben, aux avultiers d'heure, quoi. Ben Hein? oui, on s'en fout du haut caractère, On a dit, oui, hein. on se fait même des mots, on tue les fenêtres. On a dit, non, c'est une question, c'est un déshonorant, on tue les avultiers. Ouais, ah ouais, parce que bon, On laissez tue les les nous fenêtres. d'heure, quoi, hein. Ah ouais, voilà l'affaire faite. Mes mères, hein, ben, on n'est plus assuré pour l'atelier. Hein, tous deux retraits assurés. Mais rassure n'est pas au pire. Pire. Hein. Alors on avait eu au bal les Vietch, hein, en 1946. Hein, on menait à 500 mètres du Vermanec d'une parelle. Donc, dit, voilà, hein, au type qui s'amène à 11 heures à l'nut, hein, est-ce saut, hein, il va dire en pire, dispecteur, c'est un atelier qui brûle, hein, mais pire, n'a le crenait, Allez. hein, mais il va vomir, c'est un atelier qui brûle, hein, mais pire, il dit, vas-y, t'es nohi, hein, t'as bu, hein. Ah, il y a bu, dit-il, mais.
Je veux me dire, quoi, l'atelier brûle. Ah ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Alors, mon père a démarré, quand là c'est arrivé, ça c'était trop tard. Ça c'était bien vrai. Il a fallu 20 minutes. On avait déjà été tous les bouées pour faire le manège. Ah ouais. hein. Alors, mon père, comme M. Fada de l'Etienne et tout cela, hein. même les plantis, tout cela, les chevreaux, c'était les tiennes. Tout, hein. Tout brûlé, hein. Ah ouais, on n'a rien de monnaie. Hein? Alors, ouais, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Est-ce que tu ouvres à l'île au Camarote, est-ce que tu fais ces ouvrages à l'île au Scrénil, là, hein? Et alors, on avait GTS, hein? Mais, n'est-ce plus question d'une monnaie à l'atelier, parce que les clients, ben, elles n'allaient où de part, hein? Ah oui, juste aimé. Et alors, mon père avait soin de donner les raveurs par après. Hein? Oui, parce qu'il avait des autres Charlie son village. Ah ben oui, ah ben oui. Hein. À ces moments-là, on s'est lancé devant les caisses de camion et tout cela pour les marchands de légumes, les marchands de bières et tout cela. Hein. Mmh. On a fait 11 caisses de camion pour le même marchand de légumes, du Verville. Hein. Et pays fouerbé et tout cela, c'est un maniaque. Hein. Alors, les dieux. Les chauffeurs sur les caisses du camion et tout cela, ils prennent les fenêtres comme cela, elles passaient. Allez, venez que ça court passe. Ah, on cède au cours les bosses, hein. Ah, ouais. Il fallait venir, les des bosses ni rien du tout. Hein. Alors, il faudrait bien que tu vas ouvrir autre part. Hein. Nice. Alors, tu me dis, tu quoi fais, hein. Mais tu n'en veux que sous la LTS, hein. Ah, ouais. Je me dis, si... Vous aviez qu'un âge à peu près à ce moment-là. S'il vous plaît. Vous aviez qu'un âge à peu près à ce moment-là. Quoi ça, hein. Ah ouais, quoi ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. 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 Alors, j'avais au Monoc, mais... Il suffit d'ouvrir à l'EIB, là. À l'électricité industrielle, ben, j'astur, ça tourne arrêt. Ouais. Aux esteux, ce n'est qu'à cause du mur. Aux esteux. C'est quelle année? Aux esteux jusqu'à 675 ouvriers employés. Hein? Ah ouais. Esteux, ils sont quoi? En vingtaine. 20 trucs, ils sont quoi? Ouais, ouais. Hein? C'est qu'est-ce que tu alors, voilà qui dit à mon oncle. Hein? Ouais, tu demanderais bien de quoi faire, que c'était le seul patron à l'époque. Hein? Pour veiller ici de prendre René le gamin. Alors, ouais. Voilà, on me demandait de venir m'y arriver. Mais je me dis, ben, si on me trouve une place, tant mieux en attendant, hein, on verrait bien après. Hein. Alors, le patron de Kuiper, c'est un type qui mesure quasi 2,5 kg. Hein. C'est un type impressionnant. Hein. Ouais, t'as reçu visage, hein, t'es le mec qui picolé. Hein. Aveu aux filles. Et tu savais bien que ce fille, est-ce que. On les serrait le vis à vous. Ah, aussi, hein? Est-ce que camarade, à vous, cousin. Hein? Avec le même match. Alors. Vous me lèvez, il a. Il me dit tu n'as qu'à aller à l'EIB, d'ici, hein? Un tel jour. Hein? Tu te montes après ma chaîne, d'ici. Tu verras bien. Hein? Tu dois me répondre, dit-il, tu dois me téléphoner, je vais te donner mon numéro. Il faut qu'il te prenne, hein, qu'il dit. Ouais. On l'a déjà arrivé à ces petits bonhommes, là, mais. Au type à bon humeur, au regard profond, là. Ouais, il avait vraiment le physique de haut chef. Hein. Du plantif devant le point de bureau, mais là. À un moment donné, il va quand même trouver le point. Que tu viens faire ici, toi, d'ici. Ah, déjà. Ah oui, donc. Oh. Ah, j'ai dit, c'est monsieur de Kuiper qui m'a dit que je devais venir travailler ici. Hein. Et qu'il n'y avait pas d'excuse que vous deviez me prendre. Tu me racontes des vastes blagues, d'ici. Sors d'ici. Tu me dis, d'ici. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ben oui. À la place du Moussifou, du train vers les ateliers, tu ne savais pas où Robert Marais travaille. Hein, c'est mon cousin. Aussi, hein, tu vas là, hein, au laboratoire, il est là. Hein, il va travailler
m'excusait, mais... Et le chef d'atelier, il a appelé Machette, il me chasse sur de l'usine. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je n'ai rien fait, je dis. Hein. Yvan de Kuiper m'a dit que je devais venir travailler, que Machette devait m'engager. Hein. Lui, il dit, c'est moi qui engage, ce n'est pas de Kuiper. Hein. Il me dit, qu'est-ce qu'il va faire, mais voilà. Hein. Et alors, attends, il va trouver le chef d'atelier. Hein. Et alors, ben, hein. Qu'est-ce qu'il va aller raconter à de Kuiper, hein? Ah ouais. Comment, dit-il? Hein. Il connaît bien de Kuiper aussi. Ah ben oui, dit-il, hein. Je suis son cousin. Hein. Et il est allé mettre de la paix sur les chasses à Eupen pour le patron. Hein. Et c'est là que de Kuiper l'a engagé, hein. Alors, on se tourne à plat plat. On se tourne à plat plat, quand j'y vais. Alors, j'ai dit, j'avais tout ce que du volet des chefs d'atelier. Si bien comme on veut donc, on met tout à la du steak et tout cela. Et puis alors, on mettait vos mots au tête. On vous devait expérimenter, des beaux ouvriers. Et on mettait venir n'importe qui devait les mettre. Hein. Et alors, six mois après, justement, oui. Ah, ben non, il y a ceux des galants. Et vous avez une monnaie qui battait, là? 37 ans. 37 ans? 37 ans, oui. Et plus de Choli, plus rien. Vous n'avez plus de José de l'atelier de votre papa, ça c'était fini. Ah, oui, ça c'était terminé. C'était après journée, parce que le garagiste que tu as accosté dans le Mahon, là, ben, il active des jeeps. Ah, ouais. L'armée américaine. Au fief, en carrosserie, sur le jeep, hein, avec le tolerail et puis alors avec le boiserail. Alors là, ben, mes pères avaient mes heures de vie pour le tolerail. Alors, on a fait 25, je crois qu'on a fait. Hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Alors là, ils me les livrent plus ou moins libres du vers les heures et tout cela. Hein, ouais. Parce qu'avec mes heures de vie, hein. Alors, ça va l'air vif, quoi. Oui, ouais, je me plais, mais à fait sous là. Hein. Je savais bien qu'à l'avenir, ah ben, refait des tchors et des clichés, des affaires, ainsi, ça allait diminuer. Alors, on se lançait devant les caisses du camion et tout cela. Hein. C'était l'avenir, quoi. Oui, c'était l'avenir. Hein. Mais alors, on s'est concurrencé par une firme d'Aubel qui fivent des caisses du camion et tout cela, mi-temps fier, mi-temps bois. Hein. Et du tri vampire, tu dois remettre pour aller en cours, le soudet et tout cela. Et tu dis aux acteurs, il y des fiers comme le cédou bel. Hein. Il suffit d'acheter une machine pour soyer les fiers et alors on pose à souder, et l'affaire est faite, hein. On est mes heures de grand chose. Hein. Il n'en veut jamais voulu. Hein. Alors, ouais, il y a le 37 ans, le IB, au fil des ouvriers sur les jeeps, des petits trucs comme cela. Hein. Mais par après ces 37 ans-là, vous avez resté d'ouvrir une année, vous avez continué tout. Ah ben, il y a tout pré-pensionné. Ah ouais, hein. Alors, tu me dis, à 52 ans. Quand on fait, c'était. Ouais. Tu me dis que tu ne vas pas me dire, c'est réfé. Mais, hein. Alors, ouais, je me renseigne au petit pot. Hein. Ah ben, ça se complique. Parce que je suis pré-pensionné. Alors, tu peux les vouvrer. Hein. Ouais. Fais une tendeur et pas leur le déclarer. Hein. Allez à la merde. Ouais. Hein. Hein. Tu n'en as mis qu'à demander pour ne plus ouvrir. Ben, ah ouais. Hein? Alors, hein? En même temps que le fief Lumesti, vous allez couper nos bois qu'il fallait pour faire les ouvriers de Charlie. Et vous coupez Valhep, hein? N'a venu que des tronçonneuses. Alors, après le 37 ans, ben, je suis marié,
Hein? Et d'une monnaie va tester, que c'est des Américains qui auraient testé, voilà, voilà, au kilomètre de là. Hein? Et le maître, même qui n'aurait fermé et tout cela, il avait 35 hectares du bois autour de testé. Hein? J'allais couper en bois, il y avait une tronçonneuse et tout le bazar. Hein? Et alors, j'avais le tracteur de cuisin là. Hein? Ouais. Alors, du verif de bois, du nevour de formé. Hein? Et puis. Et vos ouvriers comme t'as été comme Tchourli? Ah, non, non. Je n'avais plus, ah, oui, je n'avais plus l'occasion. Hein? Et, j'avais deux frères, au question la registrement, et puis qu'à ce tour à la TVA. Hein? Ça fait rire. Je n'ai rien aimé tout ce truc-là, hein, à te faire faire manier. Alors, l'autre, le pigeon, c'était Trazor Pigeon Cumé, a fait toute sa carrière à l'OIB. Ah ouais. Ouais. Mais lui, c'était. À l'égal de chef d'atelier, quoi. Hein? Ah ouais. T'en avais en effet des grandes astuces, n'est peu. Hein? Astuces bricoleur comme moi et tout cela. C'est arrivé à vous lui-même. Ben oui. Et alors, bon, est-ce que vous avez continué de faire le tchourli? C'est cela qui m'intéresse. Mais oui. Alors après, hein, ben, j'allais couper au bois pour moi et tout ça. Et puis, hein, il y a des gens qui venaient me demander, hein, j'avais acheté une vieille scie à ruban et tout ça. Hein. Les gens venaient me demander pour faire des bricoles et tout ça. Hein. Enfin, je les faisais, hein. Je me faisais payer. Hein. Bah ouais. Ça me faisait la jambe belle. Et puis alors, voilà le temps qui passe. Hein. Je m'occupais à faire mon jardin, couper au bois pour moi et pour en vendre et tout ça. À temps plein, hein? Ah oui. Ah oui, je ne me cachais pour rien. Même le premier qui vint, il serait vite expédié. Alors, voilà que je reçois un jour un papier. Comme de quoi que je devais prendre un numéro de TVA, un registre de commerce et tout le truc. Et je vais trouver un copain, un meunier, il lui raconte l'affaire. Vas-y, saisis-tu, monsieur. Hein? Tu risques de vêtre du baraque, hein? Hein? Fais attention. Hein? Alors, voilà. Puis, je vais couper au perche des affaires ainsi. Hein? Je fournissais les types qui faisaient des concours hippiques, tout ça. Ouais. Ils venaient charger les bois avec une bétalière et tout cela, ni vu ni connu. D'un beau jour, je reçois un papier comme de quoi je devais rentrer mon registre de commerce, que je ne faisais pas suffisamment de transactions. Hein? Je me dis, l'on de bonne affaire, t'es. Hein? Alors, j'ai rentré tous mes papiers, hein? Et j'ai continué. Mais il me dit encore, le type, hein? Tu sais, ne crois pas qu'on te laissera en paix, hein? Tu seras quand même surveillé, hein, qui, hein, parce qu'on connaît le truc, hein, nous autres. Mmh. Hein. Oui, dis-tu. Et mon frère était à la TVA aussi. Il était justement le chef de celui-là. Hein. Je me dirais, il y a les premiers qui viennent dans le bois. Hein. Il sera bien reçu, hein, je dis. Hein. On coupe un arbre, je dis, hein. On le fait tomber où on veut. Hein. Ah ouais. Et tout cela, donc ça vous a amené à. Et vous avez continué à ouvrir. Ah bon, est-ce que vous avez continué à ouvrir sur le Mestit Chorli? Ah ben, pour le Mestit Chorli, ça c'est tout bizarre. Le secrétaire de Vimesti et Sarre. Ah oui. C'était une ancienne voisine que j'avais à Tich. Tu l'as quitté, mais qu'elle est une gamine. Ah ouais. Elle est 50 ans. Puis, Pigeon Cumé. Hein? Alors, elle fait les côtes pour le Vimesti et Sarre. Et au jour, l'ancien directeur du SCOL de Galhel, lui avait demandé, tu ne connais pas un charreau, toi, quelque part? Il n'y a pas moyen d'en trouver un. Hein?
On a regardé sur l'ordinateur et tout le bazar, mais il n'y en a plus. Hein. Mais il faudrait bien qu'on trouve. Vous n'en trouvez pas, vous autres, hein? Moi, j'en connais un, c'était mon ancien voisin de Tiche. On n'avait qu'à envoyer quelqu'un pour lui demander. Hein. Alors voilà un type qui s'amène, c'était le frère de mon ex-beau-fils. Ah ouais. Qui Et ça, c'est vient. ainsi que vous avez rentré au Vimesti Et d'ici. alors il me dit, bon, c'est pour 3-4 samedis, c'est tout, tu n'as pas besoin. Hein. Oh, ben, 3-4 samedis, j'ai dit, ça va. Hein. Faire des démonstrations, faire des. Mais pas après, Le Mesti opté pour. le Mesti a des volontaires, a des bénévoles. Alors, le cycle de Paul Moumet, c'est son contrôleur d'un TVA. Ben voilà. Ben ouais. Ben, il est passionné par cela, bien sûr. Ouais, mais, Et le judo, qui fait quoi alors? s'il Et plaît. le judo, qu'est-ce qu'il vous fait quoi Ah, ben, dis ce que tu dis là. Qu'est-ce qu'il fait au Vimesti? Voilà le deuxième année qui va se passer, et dis ce que tu dis là. Donc, les Vimesti d'Issart, c'est Oui. une association. C'est ton comité qui se retrouve du temps en temps. Ah oui. Ah oui, mais que t'es tête les tout. Parce que osait, mais il s'aidait pour s'occuper de la vie mestie. Ah oui. T'sais, ah oui, c'est important. Ah Hein. Ah oui. Hein. Et ça va te faire surtout ouais. Et pour. vous faites quoi donc? Ah ben, Vous direz. les Guéaminés de Villers ont ouais, tes affaires assez. Hein. Alors. Vous avez peur, quoi. On les remet, on les rénove, quoi. Hein? Ah Et alors, on ne fait jamais rénover, hein? non. On ne fait que de réparer. Mais aux Aorol, là, même sol qui fait 670 mètres, c'est une écopus, hein? C'est rempli de tchor, de tchérette, du tonnet, tout ce qu'on peut s'imaginer, jusqu'à des toffes comme ceci de salaud. Ah oui, tout ce qu'il y a à voir à vous, les Vimesti, Ah oui, là. des viristés. Ouais. Ah oui, toutes sortes d'affaires, des ustails, tout cela. Hein. Et Ah cela, oui. vous les réparez ou ben, On vous. les répare, on les rénove, et on a des bouées, tout cela. Hein. Ils achetaient des bouées, bon, les marchands et tout cela, comme Mais on les veut. Jan Mesti, il y en a quand même des masses des Jan Mesti qui ouvraient là-dessus. Ah ben, on sait. À peu près une douzaine, mais on n'est jamais. Un temps seul, Tous et mais des seuls. Jan Mesti, il y en a à peu près une douzaine, quoi. Des Oui, scribes, mais des. qu'après, parce Et qui que. apprennent des copains aussi. Ah oui, ils apprennent des tosses. Hein. Il y a, pour moi, un ingénieur de chemin de fer. Ah ouais. C'est Stock qui s'occupe de la sécurité de les wagons. Alors, au militaire, qui est pensionné, que ce capitaine à l'armée, et cet homme-là, c'est un type exceptionnel. Ouais. Question correcte, question intelligence et question savoir. Hein? Du voreux savoir, tout ce qui sait. Il fief des canons, des mitrailleuses, des fusils, tout cela, du bouet. Mais à l'authentique, hein? Ah oui, tous les détails y sont. Hein? Il fit cela pour, quand il avait des grands manœuvres interalliées et tout cela, ah ben, il fit le talk du bois et tout ça. Ouais. C'est un vrai frère intéressant, c'est magnifique, le vrai qu'on fait. Hein. Il s'occupe en plus de l'entretien de les machines qu'on a et tout Qui sont là cela, sur place, ah hein, qui sont là. Hein. ouais. Et vos fonctions, voilà, devant, Ah dis-moi, ben, juste une main. mais. On met du près l'homme que du vous. Hein. On doit faire 5 ou 6 au matin, là, hein, pour nous ouvrir. Hein. Et on est ouvert jusqu'à 12 heures. Hein. Puis après, c'est terminé. Hein. Ah ben, on répare des rails. Hein. Et le deuxième rail que j'ai refait, voilà, c'est un rail que mon père avait fait. Oh, 40 trucs. Ouais. Elle saute au là. Ah oui. Hein. On les répare. Voilà. On les a finis samedi passé. Ouais. Il n'a plus qu'à les ferrer. Ouais. Mais ceux-là,
il devait que retrouver un steur au Marihau capable de ferrer les rats. Il faut faire les tirs autour des rats, ouais. Ah ouais, parce que ferrer un rat, ça ne s'est fait ni tout seul. Hein? Une fois n'est voilé, une fois n'est voilé le rat. Hein? Le sicavi a eu une assez corde volant. Hein? Tu l'avais surveillé, mais c'est stock de Clermont-sur-Berouin. Hein? Tu as vu ton passage, mais toi, tu ne vas pas l'éveiller, qui met qui fait le rat. Tu me réécoutes qu'ils mettent le rat à l'évier. Aux 2 mètres, le côté intérieur de le rat, aux 2 mètres de jeu. Pour que le rat, le moyeu se... Pour qu'elle chasse, oui. Ah, oui. Oui, d'accord. Parce que l'autre chasse, ça ne venait. Hein. Tu dis, Maréchal Ferrat, toi. Oui, c'était à Clermont-sur-Berouin. Je te souhaite bonne chance, je dis, pour ferrer la roue. Ah, je sais bien, il ne réussit pas à chaque fois. Hein. Quand on dit cela, c'est qu'on en est sûr. Hein. Ah oui, et le rat, ouais, c'était foutu, hein. Le moyeu a pas été fou. Hein. Ah ouais. Et le judo, il a tenu une bonne fréquentation au Vimesti. C'est plein. Il a tenu une bonne fréquentation, dit-il. Oui. Ah oui, bah, ce qui n'a que d'y continuer, ce qui me suis libre d'arrêter, hein. Eh bien, c'est l'esprit d'équipe qu'il a là. Ouais. Les vieilles des Sars ont offert surtout. Pour les joutes fiesses, pour les balles, tout cela. Tout le monde testait ça. Ah oui, le comité, c'est des gars sérieux et qui voulaient arriver. Hein. Est-ce qu'il y en a des Pujols qui apprennent le Mesti? Ah ben, il n'y avait aucun. C'est au petit cousin d'Amine. Hein. C'est au professeur de mathématiques. Mm-hmm. 26 ans qu'il a. Hein. Et il y a un TF. Ce crapaud de l'audio et le black et tout cela. Hein. Et à ce discours, dit, ah. Hein, Dieu creux qu'il meurt à chose, à Durbuy. Ah ouais. Mais c'était vous à Durbuy, hein, comme professeur. Et on l'a pur veillé. Ouais. Il y a ça, vous, l'ancien instituteur, là, qu'il ne revient rené. Mais c'est une année où il y a des navires. Des navires, c'est cela le problème du sport. Les gens sont fainéants. Ils sont fainéants. Et est-ce qu'il mesti, on va dire, est-ce qu'il mesti à quoi des clients, les judo, les mesti, les tchourli, par exemple? Ah ben, ni voilà le régio. Mais, et bravo ou alors, ah ben là, il n'a que des gens. Qui ont maison de tchourli. Oui. Aux astuveillots, là. Super, c'est le directeur de l'école, moyenne. Hein. Et lui, ah ben, dans le veille au vrai spire, ah ben, a fait comme lui, quoi. Hein. Ah ouais. A bricolé, hein. Et passionné. Hein. Et, on l'a looké au vrai, il m'avait venu querer. Hein. Je ne voudrais pas venir, avec, on va aller à Chastre. Oui, on va trouver l'homme, on va au Béatelier, là, hein. On va les villes et machines, mais que tu as en or, t'es Cali, hein. Et c'est en train de tourner au gros moyou. Pour cliché, pour t'y dit 2,5 tonnes. Moi, c'est au moyou que tu es ici, hein. Vous m'en expliquez. Moi, c'est une douzaine, là, hein. Que mec qu'on devait faire pour tourner au moyou et des tickets de chacun. Il y a le houtif. Il me dit, mon cher ami, hein, tu rouvais un sourd. Hein. Il me dit, on prend du peuplier, nous autres, pour faire le moyeu. Hein. Enfin, j'ai dit, quand la roue a tourné un petit moment, les reines ne s'en faussent pas, j'ai dit, dans le maillot. Hein. Non, dis-tu. Mais j'ai dit, vous avez de la chance. Il y a des plopes. Oh, ouais. Parce que le peuplier, c'est quand même pas un bois dur.
Nous autres, je dis, dans les Ardennes, on prend du chêne, hein, et pas n'importe quel chêne, hein. Ah oui, dit-il, mais le chêne, vous n'avez pas de gros bois assez, hein. Ben, si, je dis, on est toujours arrivé à tourner le moyeu pour les tourbereaux, les chars et tout ça, aussi gros soit-il, hein. Puis, dit, hein. C'est quand même bizarre. Mais je dis, pourquoi est-ce qu'il vous faut des si gros bois? Ah ben, dit-il, vous savez tout comme moi, dit-il, on doit prendre le bois sur quartier. Ouais. Hein? Vous savez ce que c'est? Oui, oui. Hein? Et alors, quand le moyeu est tourné, hein, il faut qu'on puisse faire la roue bien haute et bien concentrique. Ah oui. Hein? Mais qu'il dit, hein, le moyeu en séchant, on doit le laisser sécher du 6 mois, on ne sait quoi, hein, quand il est tourné. Hein? Et pas alors seulement qu'il dit, on le contrôle et alors on peut faire le montage. Ah oui. Mais on veut nous qui t'es frais du tout. On meurt quoi, on meurt en mai, il a pas de neva. Hein. Tu dis, vous oubliez les trois quarts de ce que l'on m'a dit. Hein. Pourquoi nous, hein? Tu ne lui as pas dit. Ben non, tu dis, hein, je ne vais pas aller contre l'homme, je dis, alors qu'on est comme visiteur. C'est lui qui s'est installé ici, ah ouais. Ben voilà, hein. Je dis, si l'homme veut travailler à sa façon, ben qu'il travaille, c'est pour lui. Mais je dis, quand il vient dire que le moyeu n'est pas haut après 6 mois qu'il a été tourné, hein, ben c'est purement de sa faute. Comment, donc, ça? Mais je dis, parce qu'il prend un gros bois, il le coupe en 4, et on prend un quart, et on tourne un moyeu dehors. Mais je dis, d'un côté, eh bien... Il va tirer plus, hein? Il va tirer plus, il va sécher par le bout, ben, bien sûr. Du filet, ben, hein? Ouais. Facilement, j'ai dit qu'il n'est pas haro. Hein. Sur vitesse. Hein. Ben voilà. Sur vitesse. Hein. J'ai dit, hein, il faut plein cœur. Ah ouais, il faut démarrer du cœur du chêne. Comme ça, il travaille, il ouvre de la même manière. Et il faut que le bois, que la grume qu'on emploie pour faire le moyeu, il faut qu'on l'aille de 3-4 ans chez soi. Pour autant qu'il ne soit pas collé au sol. Eh bien, tu laisses pleuvoir dessus et tout, et puis tu laisses sécher. Hein. Et alors, on le débite en morceaux, on le rôde pendant 6 mois à l'intérieur, et puis seulement on le tourne. Il faut qu'il soit sec pour une naquibotte, hein. Ben voilà. Hein. Surtout, on nous classe. Mais le système qu'il emploie, c'est le système de 99 charros sur 100. Voilà. Voilà un petit secret que je vous livre, parce que maintenant, hein, tout ça, je dis, ça faisait partie de la concurrence à l'époque. Hein. Combien de fois que mon père a eu des gens, comment est-ce que tu fais pour faire les roues hautes? Ouais, tout simplement parce que, hein, c'est comme ça que ça doit se faire. Hein. Ouais. Voilà comment on a fait le tour de vos courriers. Oui. Mais après, vous avez fait Chori, mais il y avait des plus petits modèles. Oui. Ah. Oui. Donnez vos petits pots de tasse là. Oui. Deux petites minutes là. Oui. Sur les maquettes. Oui. Qu'est-ce qui vous a venu à l'idée pour faire des maquettes? Ah ben, c'est l'amour du métier, tout simplement. Ah ouais. La nostalgie, l'odeur du bois. Mm-hmm. Et c'est bizarre parce que. On se remémore le moment où on était jeune à l'époque et qu'on allait choisir les bois en forêt, hein, et jamais dans des propriétés privées. Enfin, sauf autorisation. On allait dans des grands bois, hein, parce que dans les petites propriétés privées, il y a toujours des clous dedans et tout ça. Et puis avec la guerre, il y a des éclats d'obus. Dans tout le truc. Bon. Alors, j'allais avec mon père, et
Pour se rappeler donc, tous ces Je me rappelle tout ça. Ouais. Parce que là, on apprend déjà beaucoup en forêt. Si vous devez faire des brancards pour un tombereau, pour un char, pour un char à bord, c'est tout différent. Hein? Pour les chars à bord, il faut déjà du frêne. Et pour les autres, il faut du chêne. Il faut quelque chose de plus solide. À vous, les maquettes, c'est pour montrer les différences d'Yvetot, les autres. Oui. Alors, j'ai reproduit. Char, charrette, trigbal, brouette, tout ça. Hein? Et sans prendre de mesure ni rien. À l'œil, comme ça. Hein? Les proportions à l'œil. Je n'ai rien mesuré du tout. Et vous n'avez fait côté de où, des maquettes? Ah ben, pas pour le moment. Non, mais... Oui, mais... Vous restez tourné dessus, quoi. Oui, mais je ne saurais pas en faire pour vendre, hein. Non, c'est des souvenirs, Oui, oui. Et je les aurais bien vendus à un Bavarois. Ah oui, c'est mes belles. Il y a eu 5 ans, et il m'offrait des sommes catastrophiques. Je lui ai dit, j'ai dit, laissez la place pour les gens, regardez, on ne peut déjà rien vendre. C'est déjà quelque chose. J'ai dit, lisez ça, vous verrez bien, voilà les contrats. On est ici comme bénévole, rien d'autre, pour apprendre aux gens ce qu'on sait faire, quoi. Et puis c'est tout. Ouais. Et j'ai fait tout comme ça, de mémoire. Hein. Et je me remettais à l'âge que j'avais, quoi. Quand je faisais tout ça avec mon père. On ne pouvait rien de l'autre. On avait une chance, c'est ça me dirait que non. S'il vous plaît. On avait une chance pour montrer une maquette. Oui, C'est des régimes. On va les prêter tous. Si, hein. Ça va bien, une amie. On va aller les querer tous. Ouh. Oh là. Il n'y a plus rien. Allez, bouge-toi, Ricky. Avec le détail des poignées, tout le bazar, hein. On voit que vous connaissez le métier, parce que, regarde, ça, ces petits détails, les poignées et tout. Ah oui, tout y est, hein. On sait bien que c'est là, hein. Ça, c'est prohibé, ça. Oui. Prohibé. On en a au musée. Et je l'ai fait petit comme ça, parce qu'on le tient comme ça en main. Alors, les myrtilles tombent dedans, on a déjà une demi-tasse, hein. Ouais. Et alors... Si le garde forestier vient, on le fout en poche. Ni veut ni connaît. Et pourquoi est-ce qu'à Jalais, dans la région Jalais, il y avait une tradition pour ce charrois particulier? Pourquoi était-ce? Comme en grandeur nature, la qualité des bois est respectée. Oui, ceci, c'est une brouette de fermier. La roue est faite avec des raies en frêne. Hein? Des raies en chêne et les jantes en frêne. Ouais. Voilà, fait comme ça. Ouais. Et puis vous avez mis le ferré. Ah oui, ça c'est un bordage. Ah oui. Ouais. Et je fais les ferrailles et tout le bazar. Hein. Ouais. C'est ceci le trigbal. Ah, ceci, oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ceci, c'est un trigbal. Hein? Alors, le trigbal, je suis allé le voir à Goé, c'est de chez Polinard. Et le brave homme est mort 8 jours après que je l'avais fini, autrement je lui avais dit que j'irais lui montrer, je lui disais de mourir. Oui. Alors, voilà. Les roues sont doubles ici. Oui, c'est un travail que mon père n'a jamais fait. Hein? Et c'est compliqué. Parce que les réseaux, ils se croisent comme ça. Hein? Alors, pour les avoir en ligne droite, eh bien, si vous n'avez pas un plateau diviseur pour mettre le moyeu dessus, eh bien le centrer sur une foreuse portative, là, avec un pied, hein,
eh bien, vous ne sauriez pas y arriver. C'est pas possible. Parce qu'il y a quand même 24 trous. Et les 24 trous, hein, il y a 12 traits d'un côté, 12 traits de l'autre. Hein. Alors, les jottes, il y a 6 jottes d'un côté, 6 jottes de l'autre. Hein. Ah, ouais. Alors, pour relier les jottes, il y a des intercalaires tout autour. Alors, je vais vous faire un croquis pour expliquer comment ça fonctionne, ça, parce que ce n'est pas facile.